Et comme nous, on était un peu court parce que Bruce Willis, dans l'américain, fait « Yippee-ki-yay ». Et nous, on a rajouté « pauvre con ». Voilà. « Yippee-ki-yay, pauvre con ». Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Ça m'a amusé parce qu'il y a, il y a le clin d'œil, c'est un truc, c'est un secret. Il y a très peu de stars au monde qui l'ont. C'est qu'au moment le plus sérieux, dans des situations les plus extrêmes, il y a cet œil qui frise pour dire au public, oui, bon, d'accord, c'est la fin du monde, mais quand même, on va s'en sortir. Il a le droit de parler de lui-même quand même, ce qu'il ressent. Justement, c'est toujours le rapport avec le public. Ouais, à ma place, vous le feriez pas, bah, je suis bien obligé d'y aller. Bon, c'est volontaire, quoi. Je n'ai jamais fait de suite. Stallone, c'était normal. Schwarzenegger, c'était normal. Et bon, bah, moi, il y a Bruce Willis qui revient et tout et tout. Alors là, je me suis dit, on va se faire plaisir. C'est vachement bien, quoi. C'est génial. S'il vous plaît, messieurs. Ça va vous sembler bizarre, je sais, mais je viens de voir. De voir quoi? Elvis. Elvis Presley. Connard de touriste. Tonton, viens voir. Quoi? Il y a un blanc dans la rue. J'en ai vu d'autres. Pas celui-là. Aucune star ne se permettrait de faire ça. Il est dans le fin fond d'un véhicule de police. Il est bourré comme une vache. Il a la tronche laïsate. Ils le font sortir à poil et il a son truc. En plus, balancé dans Harlem, qui va oser le faire? C'est extraordinaire. Oh putain, j'y crois pas. Coup de peau, joli tir. Joli tir? C'était... Vous venez de flinguer un hélicoptère avec une voiture. J'avais plus de balles. Il fait « me faites pas chier avec vos ordinateurs de merde ou n'importe quoi », mais il a bien raison. Parce que lui, ce qu'il connaît, c'est l'action. C'est montrer le héros. Parce que si le héros, vous le mettez dans un burlingue avec le cloc-cloc, il n'y a plus de héros. Alors donc, il n'est le héros que par rapport à la jeunesse qui est à côté de lui, parce que lui ne comprend pas cette jeunesse. Mais dans l'action, il est toujours là. Voilà, c'est la roue de secours, en fait. Vous êtes flic? Ouais. Ça va faire du bruit. Comment vous savez que je suis flic? Vous avez pas l'air d'un avocat. Il a un tort dans sa vie, quelque part. Bon, il a une fille qu'il adore, qu'il vénère. Mais il a tellement aimé sa fille qu'il a peut-être négligé l'éducation de son garçon. Mais ce garçon est tellement admiratif par rapport à lui, par rapport à son histoire et tout, qu'il va essayer de ressembler à l'image de son père. Et son père va essayer de le retrouver. Mais en tant que père et fils, mais plongé dans des situations hors du commun. Les conneries qu'on ferait pas pour nos gosses. Et piquet, pauvre con.